Avec Internet, le monde entier est au bout de nos doigts. Mais c'est toujours plus enrichissant de vivre ce contact réellement. Une famille de Saint-Constant a pu vivre de belles expériences grâce à AFS Canada. AFS a commencé il y a une centaine d'années. C'était des ambulanciers qui avaient fait de la levée de fonds, ramassé des fonds pour payer des ambulances et tout le matériel qui va dans les ambulances. Donc, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ces bénévoles-là, ambulanciers, étaient sur le front et quand il y avait des blessés, ils les amenaient à l'hôpital. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, quand ils sont retournés à la maison, ils se sont dit « qu'est-ce qu'on fait avec les fonds qui nous restent et qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait une Troisième Guerre mondiale? » Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'envoyer leurs enfants dans des familles avec qui ils avaient créé des liens en France et en Allemagne, et d'accueillir aussi des Français et des Allemands chez eux, en se disant « si nos enfants réussissent à créer des liens assez forts avec ces familles-là, ils n'auront pas envie que nos pays entrent en guerre l'un contre l'autre. » Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Présentement, AFS est dans une cinquantaine de pays. Donc, il y a des bureaux AFS un peu partout à travers le monde. La première fois que j'ai entendu parler d'AFS, c'est ma mère qui m'a dit « Je connais quelqu'un qui travaille pour le bureau d'AFS. » Puis elle m'a dit que ce serait peut-être une bonne idée si ça tentait d'aller étudier à l'étranger pendant un an. La semaine d'après, j'ai mon père qui est venu puis qui m'a dit « Hey, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille pour AFS et peut-être que ce serait une bonne idée pour toi. » Puis là, je me suis dit « Bien, deux fois en une semaine, là, ça n'a pas d'allure, c'est fait pour moi, ça doit être la destinée. » Donc, j'ai commencé à regarder où j'aimerais aller étudier et j'ai fait un choix. J'avais l'Allemagne, l'Espagne, qu'est-ce que j'avais d'autre? Des pays en Amérique du Sud, le Venezuela. Puis finalement, en huitième choix, j'avais l'Italie. Et de par mon caractère, les bénévoles qui m'ont rencontré ont dit « peut-être que ce serait mieux l'Italie pour vous ». Donc, je suis partie en Italie à l'âge de 16 ans et j'ai été accueillie dans une famille là-bas pendant 10 mois. Et quand je suis revenue de mon expérience, je voulais redonner aux jeunes qu'est-ce que moi j'avais vécu aussi. Donc, j'ai commencé à être bénévole pour AFS et j'ai fait ça durant toutes mes études. Donc, pendant 6 ans, je préparais les jeunes qui allaient partir aller étudier en Italie, puis je les aidais à se préparer avant le départ. Après mes études, je cherchais un emploi. Donc, j'ai commencé à travailler pour AFS et ça fait 18, 19 ans maintenant. Puis j'ai fait à peu près toutes les positions qu'il y a dans l'organisme, sauf la comptabilité. Ouais. Je pense que quand je suis partie, une chance que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. J'étais un peu naïve, puis c'est bon ça, il faut avoir cette naïveté-là. Je savais juste dire merci puis bonjour. Avoir su, j'aurais appris beaucoup plus l'italien avant de partir parce que ça aurait simplifié ma vie grandement. Mais non, j'ai pas fait ça, donc j'ai l'impression que c'est comme avoir sauté les deux pieds dans le vide un peu, puis aller vers l'inconnu. Sauf que je pense que je suis quelqu'un qui aime ça, avoir expérimenté des nouvelles choses. Puis toutes mes amies étaient plus vieilles, donc ils allaient tous partir pour le cégep. Et moi, je devais faire une autre année au secondaire. Donc au lieu de faire mon année au secondaire au Québec, mes parents pensaient qu'en allant à l'étranger, je me ferais des nouveaux amis, puis mes amis ici me manqueraient moins. Donc, ouais, c'est ça. Ah, mais l'autre chose aussi, c'est que moi, je suis un enfant unique. Donc, je dirais que c'était un peu difficile de partir pour moi parce que je me suis dit, hey, qu'est-ce qui va arriver à mes parents? Tu sais, ma mère, moi, j'avais l'impression que j'étais comme sa vie pour elle, puis j'étais très triste de partir, mais en même temps, j'ai écrit une lettre avant de partir, puis j'ai dit, ça, c'est un cadeau pour toi, maman, il faut que tu en profites pour faire des choses que tu n'as jamais pu faire pendant que j'étais ici. Moi, j'étais accueillie premièrement dans une famille pendant 6 mois. J'ai eu 2 familles, en fait, en Italie. Donc, dans la première famille, c'était un petit village qui s'appelle Buduzzo. Et il y avait 2000 habitants à ce moment-là.
Donc, ce qui me réveillait le matin, c'était le son des cloches des vaches qui se promenaient juste au-dessus de ma fenêtre de chambre. Mes parents étaient assez jeunes, donc je pense qu'ils avaient 26 et 28 ans quand je suis arrivée là-bas. Et il y avait une enfant de 8 ans et un petit garçon de 4 ans. Et je partageais ma chambre avec la petite fille de 8 ans. Ce qui n'était pas évident parce que moi, comme je vous l'ai dit, je suis enfant unique. Donc, d'un coup, je devenais une grande sœur. Ça n'a pas été facile. Mais, puis là, tout le monde, aussitôt que je sortais dans la rue, puis je me promenais sur la rue principale, les gens criaient « L'Américaine! L'Américaine! » C'était assez étrange. Je pense que j'étais la deuxième étrangère qui allait dans ce village-là, au total. Donc, très, très spécial, mais en même temps, une expérience unique. Et si j'avais été accueillie à Rome, par exemple, j'aurais jamais vécu l'intégration dans la culture autant comme je l'ai vécu. Et après 6 mois, puis moi, mon école comptait aussi, hein, donc je devais faire valider mon secondaire 5 à mon retour. Donc, la première fois que je suis allée à l'école, en fait, je pensais que c'était une grange quand je suis arrivée devant l'école. C'était... ouais, assez particulier. Je suis retournée il y a 2 ans et maintenant, l'école a changé de place. Elle est plus grande. Elle n'a pas l'air d'une grange non plus. 25 ans plus tard. Et ce qui est particulier, c'est qu'en Sardaigne, c'est une île qui est en bas de la Corse. Et tout est comme 50 ans en arrière. Donc, quand je suis allée là-bas, tu sais, les couples, quand ils sortaient le samedi soir, ils allaient dans le stationnement du terrain de soccer. Puis là, nous, notre grand fun, c'était d'arriver par en arrière, d'appuyer sur le klaxon, comme si on était un parent d'une des filles. Puis là, tout le monde disparaissait en dedans de 5 minutes. C'était très drôle. Je racontais des choses à ma mère par lettre, là, évidemment. Il n'y avait pas d'Internet à ce moment-là. Et ma mère me disait qu'elle avait vécu des choses semblables, donc, tu sais, il y a 30 ans. En fait, après 6 mois, j'ai changé de famille d'accueil aussi. Il y avait une question d'école. Mon école comptait, puis dans la petite grange, je n'étais pas certaine que mon école allait pouvoir compter. Donc, je suis allée dans une plus grande ville. Et là, j'avais une famille avec un grand frère, une grande sœur, puis un autre frère du même âge que moi, qui était comme, je l'appelais mon jumeau. Et ce qui est super, puis que je garde précieusement, c'est vraiment tous les contacts que j'ai faits. Je suis toujours en contact avec les deux familles maintenant. Puis, tu sais, j'ai deux frères qui habitent à Londres maintenant. J'en ai un qui habite à Ibiza. J'ai une sœur qui habite à Milan. J'en ai une autre qui est restée en Sardaigne aussi. Donc, j'ai du monde partout à travers le monde qui font partie de ma famille. Puis les enfants de mes frères et sœurs, c'est devenu comme mes nièces et neveux aussi. Donc, moi qui étais enfant unique, j'ai comme une plus grande famille maintenant. Si un jeune veut s'inscrire pour partir avec nos programmes, ça peut être assez long quand même, mais ça peut se faire vite aussi. La date limite pour qu'on reçoive les dossiers, c'est le 1er avril. Un jeune qui veut partir avec nous remplit un dossier, puis dans le dossier, on lui demande des questions précises, des choses qu'il veut, des choses qu'il ne veut pas, comment il est. On essaie de le connaître le plus possible avant le départ parce que le dossier va être envoyé aussi dans le pays où il veut aller. Donc, et eux, avec ce dossier-là, ils vont essayer de trouver une famille qui a des intérêts semblables avec le jeune pour pouvoir faire en sorte que ces gens-là aient des choses en commun et veuillent vraiment, tu sais, créer des liens ensemble. Ce qui est génial, je trouve, avec AFS, c'est que de la façon que ça fonctionne, il y a un bureau AFS dans chacun des pays. Donc, il y a un numéro d'urgence 24 heures sur 24. Si jamais un jeune a un problème, il peut toujours contacter ce numéro-là, puis il va avoir quelqu'un qui va lui répondre tout de suite. L'autre chose aussi qui est fantastique, c'est qu'on a un réseau de bénévoles extraordinaire qui fait que localement, il y a des gens qui sont là aussi et qui peuvent agir tout de suite. Et chaque jeune a un conseiller AFS
qui lui est attitré à lui. Donc, il n'y a pas un conseiller pour 10 jeunes, c'est un conseiller pour un jeune. Et ce conseiller-là doit s'assurer au moins une fois par mois que tout se passe bien entre le jeune et sa famille d'accueil. Donc, ça offre un support de plus à tous les jeunes. Oui, c'est ça. T'sais, pour les familles naturelles, de savoir qu'il y a un conseiller qui ne fait pas partie de la famille d'accueil non plus, qui est à l'extérieur et que le jeune peut que le jeune peut se référer puis demander « c'est-tu normal telle affaire ou c'est culturel? » ou t'sais, ça, c'est rassurant. Ouais. Tu sais, non. Le jeune qui décide d'aller dans un pays doit faire ses recherches sur ce pays-là comme tel. L'autre chose, c'est que dans le passé, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait à nos anciens participants qui étaient allés dans chacun des pays de décrire un peu le pays. Sauf que des fois, en dedans de 5 ans, ça changeait énormément. Donc, l'information n'était pas à jour. J'aime mieux, tu sais, maintenant avec Internet, les jeunes, c'est facile de s'informer sur tous les pays, là, tu sais. Sauf qu'on essaie aussi de les mettre en contact avec des jeunes qui sont revenus de ce pays-là depuis 1 an ou 2 ans. Donc, quelque chose qui est plus frais, là. Ça, c'est possible, oui. Tu sais, un jeune qui remplit le dossier, il met aussi ses motivations, pourquoi il veut faire une expérience comme ça. Il y a aussi des bénévoles locaux qui se rendent dans la famille d'accueil, dans la famille naturelle, c'est-à-dire, pour faire une entrevue et qui essaient de voir si le jeune, c'est quoi les motivations du jeune pour faire cette expérience-là. Parce qu'un jeune qui veut partir à l'étranger pour se sauver de ses problèmes ou parce qu'il pense que ça va régler ses problèmes, c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Parce qu'une expérience comme ça est quand même assez stressante. Donc, si on rajoute un problème, mettons, mental en plus, avec le stress que ça implique, c'est pas une bonne idée. Faut vraiment que les jeunes ils soient d'aplomb, qu'ils aient une capacité de s'adapter, puis de s'intégrer, qu'ils aient une volonté aussi de créer des liens avec des gens, là, que ça soit, c'est ça, des gens qui veulent aller vers les autres. Donc, on a des programmes qui sont pour les 15 à 18 ans et on peut partir pour une période de 2 semaines jusqu'à 10-11 mois environ. Il y a des programmes d'été. Les programmes d'été, eux, c'est des programmes de 2 à 8 semaines et ils sont vraiment très différents les uns des autres parce que un jeune pourrait décider d'aller apprendre une langue puis faire des cours de langue le matin, faire des activités l'après-midi et être en famille d'accueil le soir puis les fins de semaine. Un autre peut décider d'aller faire du bénévolat. Mon fils, à moi, a décidé de faire un programme intensif au Panama l'été dernier et il est allé faire du bénévolat dans un petit village qui s'appelle Montanuelo. Et là, ils ont rénové une cuisine d'une école. En fait, il n'y avait pas de cuisine, c'était par terre, ils faisaient un feu, puis c'est comme ça qu'ils faisaient la nourriture. Et ils ont construit une pièce avec un four aussi. Donc, c'est ça. Il y a d'autres programmes aussi où c'est plus touristique. Donc, ça dépend vraiment de la destination. Il y a toutes les descriptions de ces programmes-là sur notre site Internet. Il y a d'autres jeunes qui décident de partir juste 3 mois, donc un programme trimestriel. Il y en a d'autres, c'est un semestre pour 5 mois et demi environ. Et il y en a d'autres, c'est des programmes annuels pour 10 à 11 mois. Ils vont à l'école quand c'est un programme annuel, trimestriel ou semestriel. Ils ont un visa étudiant aussi, donc ils se doivent d'aller à l'école. Là. Ils ne peuvent pas dire « Ah, je m'en vais là-bas puis je vais aller voyager ». En fait, tu sais, à AFS, ce n'est pas un programme touristique. C'est vraiment un programme où tu vis une expérience culturelle, mais en vivant la routine d'un jeune adolescent là-bas. Oui, on a des programmes de bénévolat pour les 18 à 35 ans. Il y a certaines destinations aussi où on offre pour les 55 ans et plus. Les destinations, il y a moins de choix comme tel, mais ça se peut. On a déjà eu des anciens professeurs qui sont allés faire, qui étaient à la retraite puis qui décidaient d'aller faire 6 mois de bénévolat à l'étranger. Donc, ces programmes-là, c'est vraiment les durées aussi. On essaie d'être plus flexible parce que les jeunes entre 18 et 35 ans n'ont pas nécessairement 6 mois à dédier à un programme comme ça. Donc, c'est eux qui choisissent la durée de leur programme.
et qu'est-ce qu'ils vont faire aussi. Donc, on essaie de voir aussi c'est quoi leur expérience ici, c'est quoi leurs études, et d'y aller avec ça, là. T'sais, on ne s'improvise pas médecin du jour au lendemain, là, puis aller faire de la médecine au Panama, là, ça existe. Non. Il y a des frais de participation et il y a aussi de la levée de fonds qui doit être faite. Donc, dépendamment du programme sur lequel on participe, les frais, t'sais, les coûts, ça peut être de 1 800 $ jusqu'à 17 000 $ là. Ça dépend vraiment d'un paquet de choses, dont la destination, la durée du programme, etc. Donc, il y a une partie que tous les jeunes doivent faire de la levée de fonds. Et ce qu'on fait avec ces fonds-là, c'est qu'on offre des bourses à des jeunes dont le revenu familial ne permettrait pas de faire une expérience comme ça. On veut offrir la chance à tous les jeunes de pouvoir faire quelque chose comme une expérience comme AFS. Bien, la première fois que nous, ensemble, on a accueilli un étudiant, c'est il y a 7 ans. Mais quand moi, j'avais 15 ans, mes parents ont accueilli un Brésilien que lui avait 18 ans. Donc, c'est la première expérience que j'ai vécue en tant que sœur d'accueil. Puis c'est pour ça que lorsqu'on a vu une annonce dans Le Reflet, le journal Le Reflet, on s'en est parlé, puis... Ça s'est fait vite, hein? Oui, c'était au mois de juillet, puis les étudiants arrivaient au mois d'août. Donc, c'est ça, on en a parlé, puis on avait le goût de vivre l'expérience en tant que parent d'accueil. On en a parlé à la famille, on a parlé aux enfants, pour être sûr que pour que ce soit un projet de famille et non pas un projet juste de nous deux, là. C'est sûr qu'ils vont interagir beaucoup avec les étudiants qu'on accueille. Fait qu'il fallait qu'ils soient d'accord. Ils étaient tous bien d'accord. Il a fallu remplir un petit formulaire. Ensuite de ça, AFS a envoyé quelqu'un pour nous passer en entrevue, pour être sûr qu'on était une famille qui faisait du sens pour accueillir un étudiant étranger. Donc, on a passé cette étape-là. Puis ensuite de ça, ils nous ont soumis 3 candidats, je pense. Je ne me rappelle pas. Puis on a choisi à partir de ces candidats-là. Bien, dans l'établissement de notre profil de famille, parce que nous, on a à choisir un étudiant, mais l'étudiant aussi peut choisir sa famille jusqu'à un certain point. Donc, on a un profil de famille à faire. On avait un petit montage photo qu'il a fallu faire aussi. Puis, physiquement, il faut organiser les lieux pour accueillir une personne de plus, là. Déjà, on était 6 dans cette maison-ci. Il fallait faire une place pour Aïda. C'est ça, on est tenu de nourrir et loger l'étudiant. Et il voulait aider aussi un peu dans son parcours, j'imagine. Comment ça fonctionne? Parce que lui, il vient étudier ici, mais... Donc, il faut faire l'inscription à l'école. C'est ça, à l'école du quartier, ou comme nous, c'est à l'école secondaire de la Magdeleine à la Prairie. On a fait les démarches là, pour faire son inscription rapidement. AFS ont envoyé des documents à l'école. Et puis, on avait choisi... sa grille horaire, je crois. On s'était déplacé à l'école, choisir la grille horaire. Donc, on avait demandé quel cours elle voulait. En fait, une fois qu'on accueille l'étudiant étranger, c'est comme si c'était notre enfant. Fait que quand on fait des activités familiales, toute activité qu'on fait, mais il faut la traiter comme si c'était notre fille. Dans le fond, est-ce qu'elle faisait vraiment le parcours des... Dans le curriculum québécois? Oui. Au complet? Oui. Alors là, elle faisait dans le fond tous les cours de français. Cinquième secondaire. Oui. Okay. Cinquième secondaire. Puis nous, vu que nos enfants, ils vont dans le programme international, on inscrivait l'étudiant dans le programme international aussi. Okay. Donc... Pour Aïda, je pense qu'elle avait eu un cours d'histoire de quatrième secondaire. Hein? C'est-tu pour elle ou pour Ezra? C'est notre cinquième expérience, fait que
Ah, c'est ça, c'était pas Aïda, c'était un autre. Où non. On trouvait que, finalement, c'est, vu qu'il était au régulier, c'est Ezra qui était au régulier, qu'on y avait donné un cours d'histoire. Du Canada. Quatrième secondaire. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu physique, puis calcul. Je n'ai même pas à l'air, pas bien la chute, ni Emmanuel. Je peux tout prendre sur le vaccin. C'est bon? Oui, parce qu'en chimie, il y a comme deux cahiers à 40 $. Puis en. C'est certain que les premières expériences qu'on a vécues, on sortait un petit peu plus pour faire visiter tout ça. Puis à un moment donné, le jeune, il vient qu'à avoir un réseau. Donc là, il vient qu'à connaître d'autres étudiants d'accueil, des amis. Puis là, ben, par lui-même, il va s'organiser des sorties, des visites. On a moins à le faire. Quand les enfants étaient plus jeunes, on faisait plus de sorties. On se forçait aussi à trouver des activités intéressantes. Parfois, c'est des trucs qui sont proches. Pour nous, il n'y a pas d'émerveillement. Mais pour un étudiant étranger, c'est comme « wow », c'est vraiment nouveau. Puis nous, ça nous fait redécouvrir des endroits qui sont très banals. Puis là, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, là, on redécouvre. Un petit peu moins, tu sais. Ben, les problèmes d'horaire, là, quand les enfants se mettent à travailler, puis cégep, université, là, ça devient plus difficile que d'organiser des activités familiales. Ouais. Quand ils étaient plus jeunes, c'était comme tout le monde suivait. En camionnette, tout le monde, go, on partait. Là, c'est moins ça, là, avec ça. Ouais. Ben, on a quand même allé, on est allé à notre chalet au lac Saint-Jean. On est allé à Ottawa. On est allé à Ottawa. On a fait quelques activités. Là. Mais c'est moins. Oui, c'est moitié. Avec Aïda, ben, on avait été au Biodon. On avait fait comme toutes les sorties culturelles à Montréal. Mais là, on les a vues plusieurs fois aussi. Donc, on est un petit peu moins intéressés. Mais c'est correct. Ça va avec les personnalités aussi. Oui. Ah, ça n'a pas la même personnalité qu'Aïda. Aïda avait vraiment le goût de voir plein de trucs. Ah, ça, elle se contente de moins. Puis, elle a l'air heureuse dans ça. Oui. Ben, on a vécu trois belles expériences. Deux, ça a été un petit peu plus difficile. Deux étudiants qui ne sont pas restés toute l'année comme il y aurait dû. Un étudiant, entre autres, qui avait des difficultés à s'adapter à l'école, aux règles de l'école secondaire, il comprenait pas pourquoi. Puis il disait tout le temps, mais pourquoi je peux pas apporter un café dans la classe? Pourquoi je peux pas apporter mon sac à dos dans la classe? Pourquoi? Fait qu'il a eu beaucoup de difficultés à s'adapter et c'est ça. Il est resté 6 semaines avec nous. Puis finalement, l'école, ils l'ont expulsé, donc il a été expulsé du pays parce qu'ils ont un visa étudiant. Donc, si l'école ne veut plus de l'étudiant, donc ça a été une expérience qui n'a pas très bien fini. Et puis, un autre étudiant, veux-tu en parler un petit peu? Un autre étudiant? C'était un Néo-Zélandais, mais il venait de Christchurch. Qui avait subi des gros tremblements de terre, la moitié de la ville dévastée. Puis il nous est arrivé ici avec un choc post-traumatique. Mais il s'en est pas rendu compte. Il n'a pas fait la préparation psychologique à cause du tremblement de terre et tout. Fait qu'il nous est arrivé ici, puis tout était beau dans le meilleur des mondes. Puis au bout d'un certain temps, ce grand Jack de 6 pieds passés, là, je l'ai trouvé sur le divan, là, en petite boule. Il shakait comme ça, puis il couinait, il pleurait. C'est comme, je veux m'en retourner chez nous, je m'ennuie. Là, on a essayé de faire un peu de thérapie pour voir qu'est-ce qui allait pas, changer des trucs, mais ça n'a pas fait, là, il a fallu qu'il s'en retourne. Mais il a changé de famille d'accueil. Il a essayé de faire un changement. Il a fait un petit bout avec l'autre famille, mais il est parti avant le temps aussi. Ouais. On a eu trois belles expériences quand même. Oui. Ces deux mauvaises expériences-là, ça ne vous a pas... Ça vous a pas enlevé le goût, en fait, de le faire? Ben, je dirais qu'après l'expérience de l'étudiant qui a été expulsé, c'était pas facile à la maison avec cet étudiant-là non plus. Donc, moi, j'avais plus ou moins le goût de répéter l'expérience. J'avais des craintes, là, j'avais peur. Puis Stéphane, il a trouvé les bons arguments pour me convaincre
de recommencer. On a une belle expérience avec l'italienne. Oui, oui. Mais... Ça va dans les deux sens aussi. Là, c'est-à-dire, nous, ça nous force aussi à remettre en question de la façon dont on agit. Puis est-ce que je fais bien ça? Est-ce qu'on devrait, nous, changer des trucs pour accommoder l'étudiant? C'est pas juste à l'étudiant à changer. Je pense qu'en même temps, ça nous bouscule un peu, puis ça nous oblige à revoir nos façons de faire. Ben, moi, j'ai toujours une très grande ouverture, une très grande curiosité envers les autres pays, les autres cultures. Puis le fait d'avoir des étudiants qui provenaient d'autres cultures, c'était toujours très intéressant que de les entendre dire « Ah, chez nous, au jour de l'an, on fait le tour de la maison en bobette jaune, tout le monde est obligé de faire ça. » Puis en Nouvelle-Zélande, c'est, quand tu as 18 ans, tu n'as plus le droit de rester à la maison. C'est pas une loi, mais c'est comme tellement ancré dans leur culture qu'à 18 ans, il faut que tu voles de tes propres ailes. C'est pas la même chose qu'ici. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont super intéressants à connaître. Puis ça permet d'avoir une belle relation avec l'étudiant étranger, le fait d'être intéressé à sa culture. Avec un étudiant qu'on a eu, il faisait pas vraiment d'efforts pour apprendre le français. Il n'est pas ici pour apprendre le français. C'est ça. On a découvert que ses raisons pourquoi il était venu ici, c'était pas ça. Donc, c'est... Fait que lui, ça a été difficile. Il a commencé à vouloir apprendre le français quand il a su qu'il était expulsé du Canada. Là, on était déjà rendu... Ah oui, je vais apprendre le français. On était déjà rendu... Nous, il est arrivé chez nous... il est resté 6 semaines. Il avait fait 3 familles d'accueil avant d'arriver... Deux. Il est arrivé chez nous. Il est arrivé au début du mois d'octobre. Il est parti 6 semaines après. Puis, c'est ça. Lui, il voulait juste étudier pour les tests pour aller dans les universités américaines. Donc, c'est pour ça, à l'école, les professeurs, il apportait ses exercices d'anglais, puis c'est ça qu'il faisait dans la classe. Je pense que c'est Aïda qui a eu peut-être la vie le plus dure à la chilienne, parce que elle n'avait pas de base de français du tout quand elle est arrivée ici. Alors que les 3 autres, à part Yushen, les 3 autres, il y avait déjà eu des cours de français langue seconde. Pas Aïda. Fait qu'Aïda, elle terminait les soirées, là, avait tout le temps mal à la tête. Puis elle était fatiguée. Elle était fatiguée d'avoir essayé de comprendre une langue étrangère. Moi, j'ai un souci d'accueillir quelqu'un de l'étranger pour me forcer à me changer. Ça me fait évoluer, puis ça fait évoluer les enfants, de se faire bousculer. Là. C'est de dire, OK, tu peux plus être dans cette chambre-là parce qu'on accueille une personne. Donc, il faut faire du changement pour accueillir une personne, puis faire une place dans notre vie, dans nos cœurs, dans notre maison. Puis juste ça, je pense que c'est des bienfaits parce qu'on n'est pas dans notre petit monde, juste nous. On s'oblige à changer. Puis à penser à aider un étudiant qui a le goût de vivre une expérience extraordinaire, là, d'aller dans un autre pays, d'apprendre une nouvelle langue. Donc, J'ai parlé avec Yannick aujourd'hui. Oui? Où est-ce que je m'en vais? En Suisse, mais à Lausanne. À Lausanne? C'est qui, Yannick? L'école, Yannick? Oui. C'est qui travaillait au Mathieu, qui était au PAI avec moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pas un peu, Yannick? Il y avait les deux. Elle est en TP, puis elle s'en va faire un stage en Suisse. En fait, c'est nous qui lui en avons parlé. Donc, c'est l'année qu'on avait Asia qui venait de l'Italie. Asia et Jeanne, là, ils étaient très, très, très proches. Et puis, on avait eu une information par AFS, comme quoi qu'ils faisaient des spéciaux sur certains pays. Donc, un rabais. Puis là, on a regardé ensemble. Puis, il y avait un rabais pour aller en Suisse. Parce que c'est ça, pour que les étudiants suisses puissent venir ici au Québec, il faut qu'il y ait des étudiants québécois qui aillent dans ce pays. Donc, c'est pour ça que des fois, ils font des rabais. Et puis, on en a parlé à Jeanne. On a dit, « Ah, Jeanne, ça te tenterait-tu de vivre cette expérience-là? » Puis, ça n'a pas été long qu'elle s'est mise à y réfléchir, à y penser. Puis, elle avait le goût de foncer. Ça prend beaucoup de courage pour partir comme ça 11 mois.
Oui, parce que ça, c'est différent. Vous, vous accueillez. Oui. Vous restez ici avec vos enfants dans, mm-hmm. dans votre routine. Et là, votre fille décide à l'inverse de sortir de tout ça. Comment vous vous sentiez quand, quand elle a dit « OK, je vais… » Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Ben moi, personnellement, j'étais contente pour elle, mais en même temps, j'avais des craintes que ma fille parte longtemps de la maison comme ça, c'est la première fois. Puis, ça a été difficile pour moi. Disons, là-bas, mais elle était bien, elle était heureuse, mais c'est quand ton enfant part comme ça, c'était un petit peu déchirant pour le cœur d'une mère. Mais j'ai... de temps en temps, Stéphane, il mettait des photos en rafale de Jeanne. C'était automatique. Je pleurais. Ça a été, un cadre numérique, puis c'est des photos de famille qui défilent. Quand c'est des photos de Jeanne qui arrivent, invariablement, là, il y avait... une émotion qui montait, là. Ça coulait. Oui. Ouais. Vers le mois d'avril, j'étais correcte, là. J'étais pas pire. Dans le fond, quand on a accueilli pour la première fois, j'avais 12 ans. J'étais en secondaire 1. Puis on accueillait une étudiante de 17 ans qui était en secondaire 5. On était à la même école en même temps. Puis c'est ça. Puis dans le fond, c'est vraiment devenu comme ma grande sœur, une grande sœur numéro 2. Puis on s'entendait vraiment bien. Là. C'est sûr que j'avais pas la même relation que ce que j'ai eu avec l'étudiante qu'on a accueillie qui avait à peu près mon âge. C'est vraiment plus une relation comme petite sœur, grande sœur. Ouais, il avait trouvé une annonce dans le journal, en fait. Puis il nous en avait parlé, puis c'est pourquoi pas, tu sais, c'est ça, ça peut rien faire de mal, dans le fond. Fait que c'est, je sais pas, j'étais contente, là, d'accueillir quelqu'un, de connaître quelqu'un de nouveau qui allait vivre avec nous. Puis personne de plus ou de moins, ça avait plus grande différence. mais c'est sûr qu'il y avait comme certaines choses que j'avais trouvées spéciales, que j'étais pas habituée. Puis ça m'a comme ouvert un peu les yeux, là, comme « Ah, oh, ben c'est pas tout le monde qui fait comme à la maison. » Puis c'est ça, c'est... Ouais. Je me rappelle aussi comme juste l'habillement. Une fois, elle avait porté des pantalons vraiment colorés. Ça m'a vraiment comme surprise, là. Je trouvais ça drôle, je trouvais ça spécial. T'sais, si personne n'aurait porté ça nécessairement. Mais tu sais, c'est pas laid, c'est vraiment juste spécial, quelque chose de nouveau, là, que ça, je trouvais ça drôle, là. C'est vraiment plus quand j'étais en secondaire 5 puis qu'on a accueilli une étudiante de l'Italie qui avait mon âge, on était dans la même chambre. C'est vraiment plus là que je comprenais plus c'est quoi qui se passait, qu'est-ce qu'on vivait quand on faisait un échange. C'est vraiment plus ça qui m'a donné le goût de partir. Ouais. Non, j'avais comme jamais envisagé ça pour moi, vraiment. C'était plus on accueille du monde qui vient, mais moi, partir, je ne m'étais vraiment jamais imaginée avant que mes parents m'en parlent. Puis là, ça a commencé à germer, puis là, OK, ouais, ça serait le fun que moi aussi je le fasse. Si j'avais déjà rencontré plusieurs étudiants qui l'avaient fait, puis ça m'a donné le goût de partir, moi aussi. Ouais, ben peut-être un mois, mais pas plus, parce que c'était déjà rendu le temps de faire les demandes d'admission. Fait que là, je devais me décider. Fait que c'est ça. Ça s'est quand même fait, je pense, en un mois, là, je me suis dit... Ouais. Je le fais, je remplis mes affaires. Puis... ben, dans le fond, on a comme un dossier à monter avec AFS. C'est vraiment quand même détaillé, les rendements scolaires. Le médecin doit remplir une fiche de santé. Il faut que tu écrives un texte sur toi-même. Ils prennent plein de renseignements sur tes parents, ton historique un peu. Puis faut que tu écrives aussi une lettre à ta future famille d'accueil. Ça, je pense que c'est la partie la plus difficile. T'sais. Vraiment, comment est-ce que je me présente en mots? C'est un formulaire qu'il faut remplir. Puis on fait aussi un choix de plusieurs pays qu'on peut faire. Mais moi, j'avais juste marqué la Suisse parce que c'était là que je voulais aller. Fait que j'en avais pas mis comme deux, trois. Mais il y en a plusieurs qui font comme une petite liste là, de pays en ordre qui veulent aller. Ouais, ben j'avais demandé à mes parents justement qui m'aident, OK, qu'est-ce que je dis sur moi. Je me rappelle que j'avais. Mais c'est quand même détaillé, comme ils disent, ils te posent un peu des questions auxquelles tu réponds en forme de lettres. Puis j'avais lu justement la lettre que l'étudiante d'Italie elle avait écrite. Puis là, je m'étais un peu inspirée. Puis j'avais beaucoup parlé avec elle. Puis avec mes parents, je leur avais posé comme des questions. Qu'est-ce que je devrais dire sur moi? Puis tout. Là. Parce que c'est vrai que
c'est comme, c'est, on se connaît pas, puis c'est difficile de mettre les mots, comme bien expliquer qui qu'on est. Ben, la Suisse, c'était le fromage, le chocolat et les Alpes, là. C'était principalement ça que je connaissais. Puis je savais que les hygiénistes dentaires allaient souvent faire des stages là-bas, mais c'était vraiment tout ce que je connaissais sur la Suisse. Puis c'est vraiment un coup je me suis décidée que là je me suis plus renseignée. Puis AFS fournit aussi un dossier sur le pays que là, j'avais lu sur un peu les mœurs, puis que en gros c'est quoi le pays, les langues, la culture, la nourriture. Ben, c'était... Non, j'étais pas mal contente d'y aller. Petit moment de stress à savoir pour l'admission au cégep. J'avais quand même fait une demande parce que je savais pas encore si j'allais être prise pour l'échange ou pas. Fait que là, OK. Fait que là, j'ai fait une demande. Là, j'ai été acceptée. Fait que là, ça m'a comme rassurée. Si je peux pas partir, je vais quand même à l'école en septembre et tout. Puis sinon, c'est sûr que... À la fin de l'année, le bal des finissants et tout, tu te rends compte, ben j'ai un très bon groupe d'amis, des bonnes amies que je vois encore du secondaire. Puis c'est surtout ça qui me faisait peur un peu. Puis aussi, quand on est en famille, tu sais, c'est un an sans tout ça. Fait que c'est surtout ça, des moments où est-ce que je réfléchissais un peu trop là, avant de partir. Puis là, je me disais, ouais, ça va me manquer. Mais sinon, avant le départ, là, c'est pas mal juste de l'excitation, là, un peu du stress, mais ouais. Et avant de partir, j'imagine que tu connais ta famille d'accueil. Est-ce que tu as déjà un contact avec eux? Oui. Je ne sais pas combien de temps, peut-être un mois avant que je parte, j'ai su ma famille d'accueil. Dans le fond, ils fournissent adresse courriel, fait qu'on peut leur envoyer un courriel. Ouais. Je connais des jeunes qui avaient aussi déjà Skypé avec leur famille. Il y en a qui ne veulent pas, puis il y en a qui veulent. Ça dépend aussi. C'est toujours un peu spécial de te dire... que tu t'en vas vivre dans une nouvelle famille, faire partie d'une nouvelle famille que tu connais pas. Mais ouais, c'est ça. Ils nous donnent la famille avant, puis on peut les contacter. J'ai fait l'équivalent d'un secondaire 5 encore. Mais en fait, j'avais des cours que je fais en ce moment au cégep. Par exemple, mathématiques, on avait calcul différentiel que je me rappelle avoir fait là-bas. Puis c'est ça, c'est vraiment... Tu sais, c'était le niveau secondaire... Non, c'était l'année secondaire 5 un peu, mais le niveau scolaire, c'est pas la même chose. Comme, c'est ouais, ça. C'est comme un peu en Europe, il y a les lycées, c'est pas les mêmes. Oui, aussi. Puis en Suisse, c'était quand même spécial parce que dès le secondaire, les jeunes sont divisés en deux, là, pour ceux qui veulent, exemple, apprendre un métier, plus comme un DEP ici, ou aller à l'université. C'est déjà dès secondaire 1, c'est déjà deux écoles différentes, là. Mais là, on va revenir plus en chronologie. Oui. Le moment, comment s'est passé le moment que la journée était partie, puis la vitro, la ouais, ça, c'est plein d'émotions mélangées. T'as la crainte, de l'excitation, tu sais pas ce qui va t'arriver. Puis je me rappelle, tu te demandes qu'est-ce que je fais là, pourquoi est-ce que je m'en vais pendant un an sans revoir personne, mais aussi ah, c'est donc même malade ce que je m'en vais vivre. Fait que la première journée là, c'est assez intense, mais moi je me rappelle avant de partir, j'étais vraiment contente de ma décision et tout. La première nuit arrivée, là, ça avait été quelque chose de plus difficile. Là. C'était plus là que je me demandais qu'est-ce que je fais ici. Là. Bon, c'était très difficile, mais une chance en Suisse, ils parlent, même ceux qui parlent allemand, ils ont une base de français. Ils ont tous eu à apprendre le français à l'école, même si leur langue maternelle, c'est l'allemand, à cause que le français, c'est une langue officielle. Mais puis aussi, tout le monde parle assez bien anglais. Donc, j'ai pu me débrouiller avec l'anglais, le français au début. Puis là, après un mois, ma famille d'accueil me dit, là, on parle juste allemand. À moins que tu comprennes pas, on peut répéter. Mais là, à partir de maintenant, c'est l'allemand. Parce que le premier mois, ils m'avaient fait un petit cadeau. On avait parlé en français. Puis c'est ça. Après ça, c'était vraiment l'allemand. Mais j'ai aussi des cours. AFS avait payé des cours dans une école de langue. Fait que j'avais eu comme 5 semaines d'initiation à l'allemand, disons. Puis ça l'a vraiment aidé parce que l'allemand, c'est quand même... une langue difficile là, à apprendre. Là. Mais, ouais, mais ça a quand même bien été, l'allemand. Ça ressemble un peu au français et à l'anglais.
Donc, c'est pas comme une langue comme le mandarin ou quelque chose comme ça. Ça a le même alphabet, donc on se retrouve un peu. Puis je pense qu'après 3 mois, là, je réussissais à m'exprimer, là, comme, t'sais, correctement, là, avec beaucoup de fautes, mais tout le monde me comprenait ou presque, là, après 3 mois. Ouais. Ouais, ben, dans le fond, j'ai quand même pu beaucoup voyager en Suisse à cause des transports en commun qui sont incroyables, les trains, les autobus, les tramways, vraiment de tout. Puis j'avais un abonnement pour tous les transports en Suisse, donc je pouvais pas mal voyager. Puis c'est la diversité, je pense, qui m'a vraiment comme le plus marqué. Autant les langues, mais aussi les cultures sont différentes selon les langues, justement. Puis aussi, t'as les Alpes qui fait quand même froid quand t'es plus en altitude, mais le canton, exemple, italien, mais là, il y a des palmiers, il y a des beaux lacs, puis c'est vraiment... t'as le chaud, t'as le froid dans le même petit pays. C'est ça, c'est un petit pays qui contient tellement, je trouve, là. Ben, beaucoup plus d'ouverture d'esprit, comme de... comprendre justement qu'il n'y a pas juste la culture québécoise, plus d'accepter les autres comme ils sont. Parce qu'on voit vraiment que ici, ce qui est normal pour nous, comme des gens peuvent juger d'autres personnes pour ce qui, selon eux, est normal, mais pour moi, c'est plus nécessairement juste ça la normale. J'ai comme vraiment appris plus. Mais aussi sur moi-même, on apprend tellement à se connaître en étant un an seul dans un autre pays. Tu sais, j'étais pas seule, mais c'était quand même moi avec des gens que je connaissais pas au départ. Fait que, tu commences à mieux te connaître, à connaître tes limites, c'est quoi. C'est ça. Tu apprends vraiment à mieux te connaître, même si pourtant tu t'en vas voir ailleurs. C'est vraiment toi que tu travailles beaucoup, c'est ça, sur toi-même. Puis comment t'es, qui t'es. Ça permet vraiment, je trouve, les voyages, l'immersion, d'en apprendre plus. Ça dépendait vraiment des moments, des journées, des semaines. C'est souvent ce qu'on dit, c'est quand tu fais un échange, c'est t'as des gros ups, mais t'as des gros downs aussi. T'sais, c'est vraiment un peu des montagnes russes. Mais le temps des fêtes, je pense que c'est ça que ça avait été très difficile. Puis ça, c'est pour beaucoup aussi. On s'ennuie de tout ce qui est familial. T'sais, c'est tellement les fêtes, c'est tellement en lien avec la famille et tout. Puis sinon, tu sais, j'ai Skypé avec ma famille, mes amis. J'ai quand même gardé contact. C'est sûr qu'ils suggèrent pas trop pour vraiment comme faire l'immersion dans l'autre pays, dans ta nouvelle vie. Mais j'ai gardé contact. C'est sûr qu'il y avait des moments plus difficiles où est-ce que je m'ennuyais, mais on passe à travers. Puis tu sais, après ça, tu vas voyager, tu vas faire quelque chose, fait que tu passes par-dessus. Des fois, on dirait que je la comprends. Tu sais, oh, moi aussi, je vivais ça quand j'étais en Suisse. Tu sais, oh, ça, c'est pas grave. Tu sais, fais-toi-en pas. Que c'est sûr que je la comprends beaucoup comme dans qu'est-ce qu'elle vit. Puis c'est sûr que j'essaie un peu de l'aider du mieux que je peux. Là. Un conseiller. En Suisse, c'était un conseiller pour le jeune et un conseiller pour la famille. Puis souvent, le conseiller pour le jeune, c'est un jeune qui avait fait un échange, qui était revenu peut-être depuis 2 ans. Dans mon cas, c'était une fille qui était dans ma classe, qui était justement revenue, ça faisait 2 ans. Et sinon, il y a aussi un conseiller pour la famille, puis ça, c'est souvent une autre famille d'accueil qui a accueilli depuis plusieurs années. Parce que dans le fond, ma famille d'accueil, j'étais la première qui accueillait. Mais oui, c'est ça, on a des familles d'accueil, pas des conseillers. Puis aussi... on a des rencontres, on a des camps d'entrée, activités de mi-année, puis on est regroupés par comité, fait qu'on fait des activités, puis non, c'est sûr que AFS est vraiment là pour nous, pour s'assurer que tout va bien. Là. On a un ordinateur portable. Ouais, mais c'est ça qu'on apprenait dans le cours de français aussi, que celle-là, c'était un portable, un ordinateur, c'était juste un ordinateur. Mais eux, il n'y a pas vraiment comme ce qu'ils disent en Suisse. Oui, on a fait le camp mi-année. Ça va bien, écoute, c'est pas une fille difficile, là. Elle est vraiment simple et facile d'approche. Voilà.
bien heureux. Bien, l'apprentissage du français se fait bien aussi, parce que nous, on a parlé un peu en anglais au début, mais ça n'a pas été long que c'était que français. Mais elle avait déjà une bonne base, elle avait appris à l'école, je pense, 4 ans, là, 4 années, mm-hmm. où est-ce qu'elle avait une bonne base, alors... Oui, ça va bien au niveau de son apprentissage du français. Mais j'ai toujours voulu expérimenter une différente culture, aller en école dans un autre pays, mais c'était vraiment ma sœur qui suggestait que je peux faire une année d'échange l'été avant. Je l'ai commencé à appliquer. Et aussi que mon frère, il fait une année en Brésil, mais c'est en université, donc c'est pas la même chose, mais encore, il aussi le fait. Mais j'ai toujours pensé que ça a l'air intéressant, comme fun à faire. Ça tentait, c'est ça, de découvrir, en fait, c'est de découvrir un autre. Notre culture, apprendre ouais. une langue, c'était quoi? Oui, aussi apprendre une langue. Je parle anglais un peu, très bien, mais j'ai toujours voulu parler français vraiment aussi. Et donc, c'était vraiment fun d'aller dans un pays qui parle français et pour moi d'être capable d'apprendre vraiment même la langue. Et, ouais. C'est correct. Parce que, en fait, là, est-ce que tu avais eu des cours de français, je pense, avant à l'école, mais... Oui, j'ai eu 4 ans de français. c'était des cours de français de France, c'était pas vraiment... On n'apprenait pas très beaucoup, c'était juste comme le base. Donc ouais. Je parlais pas vraiment beaucoup, mais j'avais commencé. Moi, je voulais aller comme un peu plus loin que la France et aussi que l'école là me tentait pas très beaucoup. J'avais entendu que c'était très strict et Québec ou Canada, c'est pas trop différent que la Norvège. Et j'ai pensé que ça a l'air comme un pays et beau et intéressant et les gens à l'air sympathiques et... Ouais. Fait que t'es pas trop déçu jusqu'à date? Non. J'ai eu un peu de stress le premier mois. C'était un peu difficile de... être habitué avec parler français, une nouvelle école, un nouveau pays. Et j'avais mal à la tête souvent et dormais vraiment beaucoup. J'étais pas vraiment capable de faire des choses en école comme parler en classe et tout comme ça. Mais après ça, c'était mieux. Les écoles, oui. On a un totalement différent système d'école. Mais c'est fonctionne. C'est fun de voir comment vous le faites ici et avoir plus l'école américaine comme j'ai vu en télé dans le film. Ce serait quoi, mettons, la grosse différence? Comment ça se passe l'école en Norvège? C'est très, très plus petit. Mon école est avec 600 élèves et maintenant c'est une école avec 2300. Donc ça, c'est une grosse différence. Et aussi l'école, c'est un peu bizarre pour moi d'être avec des petites élèves de secondaire 1. Parce que j'ai pas été en école avec des gens de cet âge pendant 5 ans. Donc, comme être avec des petites encore, c'est un peu bizarre. Et vous, en fait, c'est plus séparé les années, c'est ça? Oui. Okay.
On a 7 ans d'école d'enfants, comme ça s'appelle, 3 ans d'école de jeunes et 3 ans d'école secondaire pour nous, mais c'est comme votre sujet. C'est juste parce que je mange pas souvent ici. Oui, je suis d'accord. Ensuite, je fais tout le temps la première à avoir fini. C'est plate, la première à avoir fini. Ouais, parce que faut que tu débarrasses les autres. Mais non, pas tendre. Tu manges bien en fond. Moi, je trouve, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un pays que... je pouvais retourner plus tard. Il y a des différences, très plus... c'est comme, on n'a pas vraiment le banlieue comme ici, donc ça, c'était vraiment différent pour moi de voir et des choses comme ça, mais... c'est pour moi, c'est un peu bizarre de pas... C'est comme, vous avez pas vraiment le même système de transport public ici. On est un peu meilleur en Norvège. Donc, c'est un peu bizarre de pas être capable de juste prendre un autobus quand je voulais aller. Mais ici, c'est plus comme demander à mes parents d'accueil. Mais c'est fonctionne. Ça va m'apporter que j'ai plus autonome et moi, je pense que j'ai plus de confiance en moi et ça va m'apporter que je peux parler une autre langue et que je pense que je comprends comme mieux comment le monde fonctionne quand je vois comme un peu plus et voir comment les gens ici pensent vivre. Et ça a un peu changé mon... Comme ici, et oh, avant, j'arrivais ici, c'était un peu comme oh, le Canadien, comme comment il va être, c'est comme comment il va agir, c'est ça. Et comment si vous allez être différent que nous en Norvège, mais c'est vraiment fait que j'ai réalisé qu'on n'est pas vraiment différent comme le monde d'agir dans la même façon, fait les mêmes choses avec ses amis. Donc, c'est vraiment comme j'ai réalisé que on n'est pas vraiment différentes, mais c'est juste qu'on habite dans un autre pays, des choses comme ça. Ouais, et ça va être bon d'avoir Jeanne qui comme sait un peu de quoi commencer à être ici et commencer à être sans ma famille et mes amis. Donc c'est on n'a pas vraiment parlé très beaucoup de ça, mais c'est bon de savoir qu'elle est là et je peux parler avec elle s'il y a des choses qui sont difficiles. Puis là, ça fait à peu près la mi-parcours, là? Oui, maintenant, je pense dans quelques jours, c'est la moitié. Si. Puis, avec le, comment tu te sens? Tu as la moitié de fait? Je sens que ça passe vite. C'est un peu bizarre, ça a l'air comme j'ai juste arrivé. Mais c'est bon. J'ai vraiment heureuse d'être ici et comme... j'avais pensé que je vais m'ennuyer plus ma famille et mes amis, mais pas vraiment très beaucoup. Ouais. Mais, ouais. Mais c'était bizarre à la maison. Mes frères et sœurs sont les deux plus vieux que moi. Donc, les dernières 5 années, j'étais beaucoup seule à la maison. Et ici, il y a 4 autres enfants. Donc, c'est
très plus de personnes ici qu'à la maison, mais c'est un peu bizarre des fois, comme c'est sûr qu'il y a de différentes traditions, de différentes façons de faire une journée ici. Par exemple, je pense que l'enfant aide un peu plus à la maison que ici que je fais en Norvège. Ouais, ouais. On fait beaucoup de choses avec AFS. C'est comme on a une rencontre qu'on fait des choses ensemble une fois par mois avec AFS. Donc, on fait comme des choses avec des autres étudiants d'échange et on a tout un conseillère qu'on peut parler avec et AFS est là pour toi si tu as besoin d'aide.